Alors on retrouve la même équipe de gym qui était présente la semaine dernière à Osijek, hein, Laurent. On rappelle quand même ce système. Généralement on groupe les déplacements. Oui. Et quand ils se déplacent, ils ne se déplacent pas pour rien. Pour rien. Absolument. Loussoui avait matché sur deux agrès à Osijek. Elle a pris deux fois la médaille d'or. Oui. C'était au sol et à la poutre. La première diagonale de la chinoise avec un tempo et. Triple vrille. Triple vrille hein, derrière un tempo. Tempo qui est un flic-flac sans les mains. Hein. Flic-flac, double vrille et demi. Ça c'est beau, vrille et demi, suivi de salto entendu, vrille. C'est l'exploitation au maximum du code de pointage avec ce travail vers l'avant et le travail en vrille qui valorise toutes ces figures. Derrière Carpe. Ouais, ça c'est par exemple une des différences avec Elisabeth Zaïx. Hein. Entre autres, oui. Laurent, la jeune allemande est sortie en double arrière-corps groupé. Là c'est un double arrière-corps Carpe pour Loussoui. On attaque directement la barre des 14 points pour viser forcément la médaille d'or dans cette finale au sol. Triple vrille en ouverture. Tempo triple vrille, c'est vrai, l'acrobatie était supérieure. On voit ici la vrille et demi suivie de salto avant vrille, vous le disiez, l'exploitation au maximum des enchaînements d'acrobatie multiples. Les 14 points 125, elle prend bien évidemment la première.